Je m'appelle Céline Cotterel et je suis responsable du laboratoire recherche et développement chez TechNature. J'encadre une équipe de 13 personnes, des formulatrices, des techniciens de formulation et de laboratoire, des aides-techniciens de laboratoire et un chargé de projet innovation, ce qui représente environ 10% de l'effectif total de l'entreprise. Le laboratoire a deux missions principales. Nous développons des produits cosmétiques qui répondent aux attentes de nos clients en termes de qualité, de produits et de sécurité, et mettons notre expertise à votre disposition pour transformer des idées en produits. Et surtout, nous imaginons et élaborons les soins cosmétiques de demain et proposons des innovations, des nouvelles textures et des nouvelles gestuelles de soins, par exemple. Mon rôle est de définir les faisabilités techniques et économiques avec le service commercial, d'attribuer les projets au sein de l'équipe en fonction des compétences et spécialités de chacun, et de superviser, de coordonner les activités et processus entre les différents services. Je m'appelle Mélanie Chollot, je travaille au sein du laboratoire R&D de TechNature depuis bientôt 17 ans. J'occupe, avec mes collègues Anne Mahé et Floriane Runavotte, actuellement le poste de formulatrice. Une de nos missions est d'amorcer les projets en amont du planning afin de nous assurer qu'ils soient le plus complet possible. Présents sous nom d'une liste négative, des pays de distribution, d'une certification à respecter, Cosmos, Vegan, Halal, nous devenons de ce fait référents sur les dossiers afin de pouvoir échanger, conseiller et transmettre notre savoir à nos collègues au fur et à mesure de leurs essais en laboratoire. Nous sommes Coralie Serbon et Marine Lebert. Nous travaillons au sein du laboratoire de recherche et développement de TechNature depuis 4 et 3 ans. Un projet de recherche et développement commence par l'étude d'un brief client, c'est-à-dire que nous étudions son cahier des charges. Notre rôle est de répondre au mieux aux exigences en termes de galénique, d'actifs, de couleurs, d'odeurs, de coût-formule, tout en tenant compte du règlement cosmétique européen. Une fois le brief client étudié, nous pouvons établir la formule grâce à nos connaissances des sciences de la cosmétique. Des essais paillasses sont ensuite réalisés et soumis au client jusqu'à ce que le projet soit validé. Chaque soumission est suivie en stabilité à diverses conditions. Une fois le projet validé, des tests sont lancés afin d'assurer la conformité du produit et la sécurité du consommateur. Nous pouvons également réaliser des tests de tolérance cutanée et d'irritation oculaire. Lorsque les tests sont validés, nous enregistrons le projet dans l'ERP afin qu'il soit produit au sein de notre usine. Je suis Axel, je travaille chez TechNature depuis 4 ans et je vais présenter le poste de stabilité et compatibilité. Une fois la première production faite, nous lançons une stabilité sur le produit dans un pack neuf. Nous le contrôlons jusqu'à sa date limite d'utilisation révolue. Ce test permet d'étudier le vieillissement des produits selon différentes conditions de stockage. Température ambiante, 40 degrés, 4 degrés et à la lumière. À la demande du client, nous réalisons des compatibilités du produit avec son emballage. Ce sont les mêmes tests qu'évoqués précédemment. Celle-ci permet, en plus de la stabilité, d'observer s'il existe une interaction entre la formule et le pack choisi par le client. Sur nos échantillons, nous réalisons des tests organoleptiques, comme l'aspect, la couleur, l'odeur, et des tests physico-chimiques, comme le pH ou la viscosité. Ensuite, lorsque ces tests sont finalisés, nous transmettons un compte rendu de l'étude au client. Moi, c'est Thomas. Je suis aide-technicien à TechNature depuis bientôt 4 ans. Je suis en charge de la partie échantillonnage du laboratoire. Donc, mon travail consiste à réaliser des vracs en quantité variable de 500 g à 2 kg. Ces vracs me servent ensuite à être conditionnés en petit format pour faire des échantillons. Et ce sont ces échantillons-là qui vont permettre d'alimenter notre échantillothèque pour les commerciaux, pour leur démarchage, et qui vont également permettre d'alimenter nos salons cosmétiques sur lesquels nous sommes présents tout au long de l'année. C'est Lucas Vallée, chargé de projet innovation. Je travaille au sein de l'entreprise TechNature depuis maintenant un an et demi. Mon travail consiste à veiller, développer et concevoir des solutions techniques afin de répondre aux problématiques formulation et production actuelles et futures. Le développement de nouvelles galéniques passe par de la veille scientifique et la création de wow products. TechNature maîtrise le développement, la production et le conditionnement de cosmétiques poudre et liquide. Et par conséquent, nous avons toute la pertinence pour proposer de nouveaux concepts procédés et de nouvelles machines industrielles. Ainsi, mon travail me permet de piloter les projets industriels main dans la main avec l'ensemble des services pour répondre avec toujours plus d'efficience à vos nouveaux projets et problématiques. Notre fonctionnement nous permet de créer en moyenne 4 nouvelles formules par semaine et 2 à 3 innovations chaque année. Pour répondre à une demande grandissante et variée des clients,
notre équipe continue à s'étoffer. En R&D, nous sommes prêts à relever tous les défis. Nous aimons les challenges.